Eh bien bonjour tout le monde, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très très bien, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de Walking Dead. Alors que Lee aimerait faire son petit pissou, hein. Je pense que c'est pas pour ça hein, qu'il a esquivé le repas, moi je vous le dis honnêtement. Il y a des égratignures au sol, voyons donc ça. Bizarre, bizarre, bizarre. Donc là, c'est les toilettes. Si on montait. Si on montait. Moi, personnellement, je pense monter. On monte doucement, c'est jouable en plus, même pendant la montée. Ouh, ça grince, ça grince. Vous êtes très peu à suivre ce let's play, hein, comparé à d'autres let's play que je fais. Mais vous êtes très, très, très attentif à cette série. Et je vous en remercie infiniment, les amis. Je vous aime. Je vous fais plein de gros bisous. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Qu'y a-t-il? Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Des médicaments. De la morphine. De la morphine. Une boîte à bougies. Des serviettes. Du matériel médical. Une poubelle. Et un cordon d'alimentation qu'on va peut-être prendre ou peut-être à raccorder. Voilà, donc il y a une lumière qui s'allumait, j'ai l'impression, dans ce petit placard. C'est quoi ce bordel? Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière, les amis, c'est sûr et certain. Il y a quelque chose derrière ce mur, les amis, c'est obligé. C'est obligé qu'il y ait quelque chose, on va se rendre dans la chambre. C'est très intriguant. C'est très intriguant. Oh oui, regardez, ce placard n'est pas là pour rien. Et des taches. Oh, des taches de sang. En même temps, ça peut être le sang du mec, hein. Il s'est fait tirer une flèche dans le dos, donc ça me paraît assez logique. En gros, elle a mytho. En gros, elle a totalement mytho. Mark n'est pas dans la chambre, mais regardez. La lumière sous la porte, cette étagère peut être bougée. J'ai peur pour Mark. Les amis, j'ai peur pour Mark. Que va-t-on découvrir là derrière? Une porte. Je m'en serais douté. Je suis à fond dedans, j'espère que vous êtes également à fond dedans. Lumière éteinte, les amis. On va ouvrir cette porte. Allez, à 3. 1, 2 et 3. Oh mon dieu! Oh non! Oh mon dieu. Ah putain. Les amis, là je vais... Honnêtement, je vais pas bien là. Là je suis pas en forme. Ah putain. Ah putain. Ah, vite, vite, vite. La cuisine. Vite. Non, j'ai pas. Le flingue. Prends le flingue. Tue-les tous. Oh, ils ont bouffé. Ah, j'aurais dû m'en dire de cracher. Oh, sit your ass down, Lee. This lady has made you a meal. Yeah, Lee, what's gotten into you? Ah, honnêtement, les amis, ça va pas là. Cette femme est quoi, t'en folle? Tu manges de la chair humaine. Mark est en haut sans jambes. Tu manges de la chair humaine, merde. On le dit, on le dit, on le dit, on le dit. You're eating human meat. That's crazy. What the hell? I'm scaring the kids. Ouais, je suis direct, moi. Faut les buter. Faut les buter. On les bute, les gars, on les bute, on s'en fout, on les bute. Ah, les amis, honnêtement, je suis pas bien là. Mark is upstairs right now with no legs. Brenda, tell me he's not being eaten right now. Oh putain. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died.
gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. We think we can put them to bed. Vous êtes tous des malades. Massacre à la tronçonneuse, amis. Massacre à la tronçonneuse version Walking Dead. Et c'est vraiment pas une partie de plaisir. Vous avez raison, les amis. Oh, foiré. Kenny, attrape le flingue. Wow. On se calme. On se calme. Il a déjà buté quelqu'un, lui, hein. On est foutu, tout ira bien. On va essayer de... Oh, fumier de lapin, va. Toi, je vais te buter, toi, t'es le premier que je vais crever. Fils de... Marc, c'est Marc qui est tombé, là. Je suis sûr que c'est un zombie, Marc. Il a dû mourir et se transforme. On se rappelle, hein, la barrière est coupée également. Oh putain, c'est horrible, les amis. Oh, c'est horrible, les amis. Là, c'est atroce. Oh, fumier. Quel épisode, les amis. Oh là là, j'ai envie de dire qu'on commence bien, mais c'est pas... Marc a les jambes déchitées, coupées. Oh là, gerbé aussi. Ouais, honnêtement, j'aurais gerbé moi direct. J'aurais vu Marc comme ça, j'aurais gerbé, mais j'aurais tout mis dans la baignoire. Non, tu vas pas te changer, t'inquiète pas. Ah, la pauvre Marc, hein, honnêtement, je suis dégoûté pour lui. Tout va bien, on va essayer de la rassurer. T'as pour une fois, je suis d'accord avec le vieux. Hein. Et ouais, il a pas tort, hein. Mais bon, voilà qu'il fallait quand même tenter. Hein. On parlait à la petite, on va demander si elle va bien. Don't give up. We're gonna find a way out of here. Can I help? Sure, honey. You keep your eyes open for exposed screws or loose panels. Anything we can pry away to open a passage out of here. Okay. Please settle down. Là, qu'est-ce que c'est? De la viande? Moi non plus, j'aimerais pas savoir plus ce que c'est. Je pense pas que ce soit vraiment de la viande au final. C'est, vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, y a pas de sortie par le plafond. En même temps, je pense qu'on est dans une cave ou un truc comme ça. Donc, non, parle pas avec elle. C'est pas la peine. En gros, l'esquive, la pauvre. Des palettes. Bah oui, des palettes et des clous, forcément. Les palettes ne tiennent pas par le Saint-Esprit. Pas de chance. Comment ça, hein, y a des clous. Obligé, y a des clous sur une palette. Parlez à Kenny. Oh, ah, ils ont capturé sa femme et son enfant. Oh, les fumiers. Elle a vomi, elle a demandé si elle va bien. Qu'est-ce qu'il... Oh, son cœur. Crise cardiaque. Oh, les amis, là c'est une crise cardiaque, les amis, là. Oh là 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 là. Je crois que là... Je crois que là, le vieux, il va nous guider. Oh là là là, si on perd tout le monde dans cet épisode, l'ami, c'est pas bon, ça. Lily, I'm sorry. I truly am. But in a few minutes,
be stuck in a locked room with a 6'4", 300-pound, seriously pissed off. Ouais, il est quand même grand son père, hein. 2 mètres 130 kilos. Lily peut encore le sauver. Alors, on va essayer de dire ça, mais bon. Pff. On le tuera sinon, à la limite, on le tuera. Je suis contre le fait de tuer quelqu'un qui en sait pas sûr qu'il est mort. Peut-être que je changerai plus tard, mais là, pour l'instant, je suis pas trop de cet avis-là. Ouais, bon, détruire le. Oh là là, non, j'ai pas une choisir moi. Oh. Come on. Wake up. Non, j'ai pas une choisir. No, no, I don't think so. Okay, let me take over. Keep checking his pulse. Oh, il va prendre un parpaing, il va lui exploser la tête. He's gonna turn. You're putting all of us at risk, you son of a bitch. You're fucking worthless, Lee. Oh putain. It had to be done. You don't know that. Yes, I do, Lee. And so do you. I was counting on you, man. Ce jeu, il veut ma mort, hein. On a perdu Mark. On a perdu son père. Horrible. Cet épisode, les amis, il est horrible. Il est affreux, cet épisode. Il est horrible. Tu manques qu'on sorte d'ici, là, con. Je peux déjà plus, moi. Je sais pas. One of the brothers could come back any second. Oh les amis, cet épisode est épique. Il se passe des choses mais incroyables. Enfin, c'est dommage. Hein. Même si je l'aimais pas, le vieux n'est pas, je vous dis je l'aimais pas. Mais ça fait chier quand même quoi. Là, ça fait vraiment chier qu'il soit mort, surtout comme ça. Il lui a explosé la tête, vous avez vu ça? Je pouvais pas moi. Ton Taki Walki. Those pretend talks with your mom and dad. Don't those make you feel better? Sometimes. On va s'en sortir, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on va s'en sortir. Je vais tout faire pour. Oh, c'est horrible, les amis. C'est horrible. Je pense que si on lui parle, ça va être la mort. Elle va nous engueuler. T'es la première parpaing, il a explosé la tête. Larry est un bon père. Kenny essaie de nous protéger. Il faut que tu te. Ouais, putain, merde. J'ai essayé de relativiser, mais bon, voilà, quoi. C'est pas évident. Le pauvre, il est mort. Il a voulu me tuer. Certes, il a voulu me tuer. Larry, c'était pas un... c'était un mauvais gars, mais voilà quoi, il aurait pas mérité de mort comme ça. Horrible. Horrible, cette mort, les amis, elle est... c'est pire que tout, cette mort, honnêtement, là, se faire exploser la tête par un parpaing comme ça, bon... Vous allez me dire qu'il a pas souffert, parce que, ben voilà, il était en crise cardiaque, il était peut-être déjà mort, certes, donc il était dans le coma, on va dire. Il savait pas ce qui se passait. But if we want to survive this shit, we gotta have the balls to do the hard thing. Ah mais toi là, tu t'es transformé en peu de temps, gars. T'as changé, mec. Hein. Faut qu'on travaille ensemble. How do you expect Lily to work with us after what she just saw you do? If she wants to live, she'll work with us. If she doesn't, then the hell with her. Putain, là, il est vraiment direct, quand même. Hein. Tu pourrais te tuer, machin. You do the hard thing if it was Katja or Duck. It's never gonna come to that. Not if I have anything to do with it. For all we know, the St. John's might have. No! They need Katja, remember? She's the whole reason they brought us here. And no doubt they're using Duck as a bargaining chip. I hope you're right. I know I'm right. I just gotta get to him. That's all. C'est horrible quand même, hein, les amis, ce qui se passe en ce moment. Horrible. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? You don't want to hang me up on a meat hook and leave me to rot? What I want isn't important. What I know is their safety in numbers. You got any ideas? The air conditioner. Bon, on va essayer de sortir de là. Parce que voilà, on n'est pas là pour beurrer. Il y a une air conditionnée ici. Bah, il y a que la petite qui peut passer là. Il y a un air duct behind this unit. Maybe big enough for one of us to fit through. Does the air conditioner come off? I think I could take it off if I had something to remove the screws. The multi-tool. Ouais, t'as le couteau suisse, gars. Ah merde, ils l'ont pris.
else we could use. I've got a rock. A rock won't help. A coin might do the trick. Do you have a coin? Mais ces vis là, tu vas pas aller dans avec les doigts, réfléchis quoi. Putain. Celle-là, non? Ah là là. Bon, bah pas le choix. Falloir trouver quelque chose, les amis. Un clou, une merde dans ce genre là, je sais pas moi. J'ai besoin d'une pièce. It's important. It could get us out of here. Well, I got nothing. Oh là là. Putain, je sors son père et un truc. I need to be alone. God knows you deserve time to grieve, Libby. But if we're gonna get out of here, we need your help. And Larry's. I think I may have found a way out of here. But I need something to remove the screws. Dis-moi pas que tu vas prendre quelque chose du corps de Larry. Something I could use as a screwdriver, a coin or something. Une dent? What about him? Look, I know this is a terrible time for it, but back at the motor inn, Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. Non, c'est bon, il va prendre peut-être une pièce dans la poche de Larry, peut-être. You're... Il est mort, de toute façon, donc... Do what you have to do. C'est gentil. Bon, Larry, tu m'excuses, hein. Mais bon. Any idea which pocket he keeps his change in? Dans la bouche, il la gardait. Peut-être pas, mais bon. On va fouiller. Une bague. Ah, intéressant. Ah non, il la prend pas. L'autre poche, peut-être. Et voilà. Nickel. Eh ben écoutez, on va pouvoir machiner la clim avec ça. Enfin, ouais, ça. L'air conditionné. Bon, c'est la clim, hein, grosso modo. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Allez hop. Mais non, prends la pièce. Boulet. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, petite pièce. Voilà, impeccable. Mais du temps normalement à dévisser ça. Eh ben c'est bon, je fais plus que je peux. Hein. Tu fais rien toi, forcément. Tu veux pas... C'est ton dépouce le mec là, oh. Ose lire. Là. Voilà, bon. Bon, la petite, tu allais dedans. C'est pas où ça mène. Clémentine peut se faufiler. C'est 3 et 3 pour se faufiler. Clémentine. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu sais que tu n'as pas besoin de faire ça, non? Je sais. I just want to go home. This will help us get back home. Okay. En gros, t'as pas le choix, quoi. Pauvre gamine. Elle est courageuse. Honnêtement, elle est courageuse. It'll be fine. What do I do when I get out? See if you can get to the other side of that door and open it. Elle est courageuse, la petite, hein, les amis. Pouce vert pour elle. Ah, je suis blasé. Putain, Marc, là. Maintenant, Larry. Enfin, Marc, on sait pas, mais bon, je pense qu'ils ont fini de cuisiner. Ah, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Allez, ouvre la porte. Ouvre la porte. Oui! C'est bon. Faut tous les buter, on va tous les tuer là. Moi je les tuerai tous. Hein. Honnêtement là, si on peut avoir le choix, je les bute. Immédiatement, je les bute tous, un par un. Je fais plus dans la dentelle, c'est terminé ce qu'ils ont fait là. À Marc, ce qu'ils ont fait. Pas forcément à Larry, mais bon voilà quoi. Ça vient que le déclencheur, c'est eux quand même. On va tous les tuer. Mission commando.
à les buter. Moi, je les buterai. Peut-être qu'on terminera l'épisode ici, les amis, hein, j'espère. En tout cas, cet épisode 2. J'aimerais bien le terminer dans cette vidéo. D'accord, on est en fait... ok. Pff, ouais, ils tranchent les gens ici, quoi. Pour une corde, carrément. Pour prendre des gens, pour les vider. Bon, a priori ça pleut en plus dehors. Qu'est-ce que c'est que ça? Crochet. Oh, 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 oh. Une serpe. Oh, 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 oh. Ça va saigner, moi je vous le dis. On prend quoi, les amis? La serpe? Ouais, la serpe ça va être bien quand même. Je préfère la serpe, moi, honnêtement. Un coup de serpe dans, dans le cou là. Un coup de serpette. Oh, le sang qu'il y a, quoi. Scie électrique, carrément, pour découper les os. L'aération, où elle est sortie. J'avoue que là, si elle est sortie ici, la pauvre, elle a pas dû voir que des belles choses. Des bocaux remplis de... Voilà quoi, vous avez compris, d'intestin, de bordel. Mini pic à bétail. Un taser quoi. Ah non non non, ah non 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 non, je prends la serpe. Je la fais dure moi. Je vais la faire comme eux, la serpe. Même si ça peut être pas mal ça, je prends ça, je prends la serpe. Ah, c'est une fossile, mais bon. Fossile. Mais je préfère faire ça une serpette, moi. Ça coupe bien. Quoique, la griffe, ça peut être pas mal également, la griffe, hein, les amis. Hein. Petite griffe, là, on la plotte dans le dos ou dans la gorge. Non, on va prendre ça, les gars. T'es prêt, Kenny? On va y aller. Et ouais, lui, il est bon, enfin. Lui, au moins, il sait ce qu'il veut. Hein. Je pense qu'on serait d'accord avec moi. Oh lui, à mon avis, il va passer un sale quart d'heure. Moi, je l'égorge direct, je le prends, je l'égorge. Clac! Oh putain! On va peut-être lui parler. On l'attaque tous ensemble. Je vais garder un œil sur lui. Agis quand je te dis. Qu'est-ce qu'il faut faire, les amis, là? Je reparle à lui. Putain, il y a un truc qui s'est cassé la gueule là, non? C'est un piège, ça, les amis, non? C'est quoi? Je vois rien! Je vois rien! Ah, j'aurais dû choper le fusil direct, je suis pas assez rapide. On va refaire. Bim! Oh, dans la tempe. La serpette, vite! Coup de serpette! Je vois! Oui! Oh, c'est un monstre, lui! À toi, vas-y! T'es un homme ou t'es une femme? Oh, un coup de serpette comme ça, c'est bon, ça, oui! Oh, il s'est bouffé le piège! Bien fait pour ta gueule, espèce de fou, va! Vas-y maintenant, finis-le là, coup de serpe dans la tête. On est des fous, on est pire que presque. Ouais, elle s'est pas bougée, mais c'est une tantouse lui. Ouais, mets-toi un coup de gifle là, va le choper là. Il a pas pris le gun, il est parti sans arme le mec. Allez, on le finit, on le termine lui là.
Oh oui. Oh oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, maintenant je comprends, maintenant je vais te pourrir, va, espèce de connard. Va. Moi je fais pas de pitié là. Ouais, t'inquiète pas. C'est pour ce que tu as tué. Je suis de femme, Marc n'a jamais voulu de ménage. Voilà. Plante-le définitivement. Vas-y, plante-le. Ah, moi je le plante, moi direct. Tiens. Espèce de connard, va, devant la petite, c'est pas grave, mais là c'est fini, y'a plus de, y'a plus d'état d'âme là. Des gens comme ça, faut les tuer, les amis. Katja. Just go. I'll keep Clementine safe. On va tous les tuer, hein, un par un. Tous, sans exception. TLT, B2OBA. Tous les tuer. Pas d'état d'âme, rien du tout là. C'est fini là. Pas avec des cannibalismes, hein, les amis. Hein. Pas avec des cannibales. Hein. Mode Sam Fisher. Mode Splinter Cell. La maison de l'horreur. La maison du crime. La maison de toutes les folies. Et les amis, on va y aller. On va s'y rendre. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça, c'est pas Kenny. Oh non, un zombie! Qu'est-ce qui se passe? Nous attaquer, on a besoin de. On a d'aide. Yeah, when you guys didn't come back, I figured something was up. What can we do? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed him to us. Shit. Is everyone else okay? They've still got Doc and Katja in the house, and I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kenny. Do you have a weapon? I don't leave home without it. Ben, stick close. And Lee, be careful. Ben, il l'a donné. En même temps, il y a un fusil, il l'a pas pris. Ah, ça me fait vraiment penser à Massacre à la tronçonneuse. Allez, on va aller sauver nos amis. Je l'ai signé dans la grange. Oh merde. J'ai voulu faire le style, c'était machin, mais à mon avis ça n'a pas marché. Putain. Qu'est-ce qu'il faut faire les amis là? Ouais, je fais quoi? Je peux pas bouger, je peux absolument rien faire. Qu'est-ce que je fais, les amis? Ah si, je peux ouvrir la porte, quel con. Cherche la poignée. Là, tu vas laisser tranquille, là. Oh, elle m'a tiré dessus. Ok. Ok. Tu es mort. Ok, ok, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Je vais quand même rentrer. Parce que je suis un fou. À mon avis, il y a quelque chose à faire.
Il y a sûrement quelque chose à faire. Quoi, je ne sais pas, on va découvrir. Sûrement quelque chose à faire. Quoi, je ne sais pas. Oh non! Bah, quelque chose à faire, on peut quand même pas mourir tout le temps comme ça, enfin voilà quoi. Déjà, on peut pas faire demi-tour une fois qu'on est là. Donc, on est obligé de rentrer déjà de 1. Mais quoi faire ensuite? Elle veut que je pars. Je peux partir, certes. Mais ça mène à rien de partir. Pars, vas-y, on part si tu veux. Ah bah, je sais pas quoi faire, les amis, là. Honnêtement, je sais pas quoi faire, là. Vous êtes mort. Bah ouais, je sais que je suis mort, mais voilà. Quoi, ce délire, là? Je peux rien faire, y'a rien qui s'affiche. Peut-être quelque chose à faire avec la lampe là, je ne sais pas. Je vais essayer de cibler la lampe là tout le long. Que faire les amis là? Je vois rien, mais honnêtement, je vois rien du tout. On peut même pas partir en plus. La lampe, on peut rien faire. Je me tue. Bon, bah écoutez les amis, je ne sais pas quoi faire du tout. Ça commence à me gonfler sérieusement. Je ne vois rien à l'écran, je ne vois pas quoi faire. Moustiquaire, ouais, je veux bien, et voilà quoi. Je peux que rentrer, de toute façon. J'ai pas trop envie d'aller chercher une solution sur internet en plus, donc que faire? Peut-être pendant un éclair, essayer de la surprendre. Putain! Je sais pas quoi faire. Alors les amis, je sais pas quoi faire. Je vais couper la vidéo là. Écoutez, hein, je reprends tout de suite après. Ne bougez pas. Bon, j'ai enfin trouvé une petite solution sur internet quand même. Faut avancer prudemment finalement. On va ouvrir la porte. C'est pas évident quand même. Franchement, c'est pas évident. Allez, c'est parti. On va avancer doucement. Je bouge plus. Ok, marrant, tranquille. On parle à la petite. Pose ce flingue. Non, on n'est pas obligé d'en arriver là. On va peut-être pas non plus l'insulter. On va pas apprécier. On avance un petit peu. Oh, oh, il y a un zombie au-dessus. Oh, ça doit être Marc. Il y a un zombie juste au-dessus d'elle. Lâche-le, Brenda. Ouais, ouais, y'a le zombie juste. Elle va lui choper la tête. Allez, avance un petit peu. Allez. N'en venez pas les choses. Allez, monte un petit peu encore. Tu vas te faire choper comme ça. Tu vas te faire choper, ma grosse. Allez, un petit peu. Encore. C'est bon. Oh là, ça fait choper. Ah ouais, c'est Marc qui la bouffe, là, je crois. Ah, voilà le fou qui arrive, là. Petit lag. Un gros lag.
Oh, voilà, enfin. Oh non, Kenny. Calme-toi, ferme ta gueule. Ouf. La prime bastos. Hop. La prime bastos mais mal placée. Ah, il faut appuyer sur A pour prendre le flingue à mon avis. On appuie sur A et sur B. Boum. Oh, on est tombé tous les deux par terre. Allez, oh, il se relève avant moi. C'est mauvais signe ça. Oh, le coup de genou dans la face. Prends le bras du gars. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, il veut me griller en fait. Il veut me griller. Il veut me griller, l'enfoiré. Il veut me griller. Il veut me griller. Ça marchera pas. Ça marchera pas, mon gars. Tu me grilleras pas. Tu sais pourquoi? Parce que je suis Lee. Je suis le héros de cette aventure. Ah, c'est dur. Honnêtement, c'était trop dur là. Bousille-le. Ah, boum. One shot. Tue-le maintenant. Égorge-le. Tiens. Une droite. Une deuxième droite. Tiens. Tiens. T'en veux encore? Eh ouais, ça sent un monstre là, les amis. C'est plus le lit du début, hein. Là, c'est vraiment le lit hyper. Regardez, on peut le voir dans. De toute façon, on peut le voir dans l'eau, hein. Encore, va encore. Est-ce que t'en veux encore? Oui, t'en veux encore, hein. Ah ouais? Ils sont morts les deux. Et Dan en plus je te dis que c'est terminé. Dan en plus il va se réveiller parce qu'il a il a pas la tête explosée. Eh ouais mec. Finissons-en. On le finit ou pas? On le finit. On le finit les amis. Devant tout le monde on le finit. C'est comme ça. On a vu trop de choses dans cette maison les amis. On sera plus jamais le même avec Lee. De toute façon, je pense qu'il nous aurait couru dessus, hein, dans tous les cas, il allait mourir. C'est comme ça. La vie est ainsi. Oh, les rôdeurs arrivent. Les rôdeurs, on voit pas grand chose, hein, les amis, moi je vois rien du tout là. Les rôdeurs reprennent les lieux. La maman est un zombie également. Voici que s'achève, les amis, une page de cette série. Je pense que l'épisode 2 est terminé. De très grande chance. Magnifique épisode 2, en tout cas, magnifique, avec plein de révélations, plein de choses surprenantes. Sûrement reprendre notre vie au motel pour l'instant.
Elle nous regarde bizarrement quand même. On a tué deux personnes devant elle. I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended, but you know. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, we might not have gotten out of there. Were they really killing people for food? On aurait dû se méfier avec le lointain dans la manger. Ouais, c'était le cas. Yeah, they were. That is sick. God, just ugh. Clementine, she doesn't know, right? Malheureusement, si, elle est au courant, la petite. Hein. Katja managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Yeah, I found it while I was looking for the people who shot Mark. Do you want it? Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. On a perdu Marc, on a perdu Larry. Cette journée est noire quand même pour le groupe. Just not as young as I used to be. Hon, go on ahead and give me and Lee a second. There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? Tu as ce scénario, tu as détruit ce groupe. Tu n'es pas un héros, je dis rien. Fine then. Fine. I saved Duck on the farm and didn't save Sean. Now I kill someone before I can put your little girl in danger, and I'm even more of a monster. I don't care. Que tu te dis, je préfère rester silencieux là-dessus parce que c'est quand même compliqué comme histoire là. Je suis désolé que tu aies vu tout ça. Oui, c'était méchant. Je n'aurais pas dû faire ça. Je suis désolé que tu aies vu tout ça. Parce qu'ils ont essayé de nous blesser? Oui. Ok. Hey, Dad. What's that noise? Sounds like a car. Oh, God. Not more strangers. Ah. Ah ah! Qu'est-ce qui se passe? Une bagnole abandonnée. Oh, chic! Épisode très long, amis, hein, je sais. Mais c'est le dernier de cet épisode. Ne tirez pas. Sortez ou je tire. Voilà. Personne à mon avis. Je pense qu'il y a personne dans la voiture, les amis. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. J'ai peur. Y'a personne. Figures. Oh crap. Baby, you gotta see this. There's a shitload of food and supplies back here. Ils ont laissé la bagnole ici avec plein de nourriture, normal, j'ai envie de dire. This food could save all of us. Not all of us. Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? Ouais, c'est pas le cas, il y a des gens qui... What if it is someone's? Il faut qu'on prenne ça, Clémentine, tu as raison. On prend. We have to take this, Clementine. We need it to survive. I'm sorry, sweetheart, but it's not about right and wrong anymore. It's about survival. La petite, tu l'aurais laissé ça. Mais bon, non, on prend. Ouvre le coffre. C'est verrouillé. Ouais, en fait, on a les clés. On a récupéré les clés sur le contact, donc. Des vivres. Des vivres. Des vivres.
Chuck, why don't you carry this? Okay. Encore un petit carton de vivres. More food in here. Ça sent pas bon, enfin je sais pas, c'est bizarre là cet endroit les amis. Honnêtement je sens mal tout ça, c'est trop facile tout ça. Beaucoup trop facile tout ça les amis. Si vous voulez mon avis, un pullover. Bah ça toi maintenant. C'est le tien maintenant. Les gens qui vont venir ici, on a vidé leur voiture. Ça se trouve, c'est à Glen. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me leave. C'est vrai qu'elle s'est trompée de sens autrefois. Oh god. Lee, you're gonna want to see this. Oh, ils ont tout filmé, je suis sûr. You need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? Don't, Clementine. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. Je sais pas c'est qui filme les amis là. C'est peut-être la folle de l'autre fois. Je crois que c'est la folle de l'autre fois, ouais. You're safe, sitting there acting like things are the way they used to be. Ah d'accord, c'est elle. Don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. The people who took... Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Ho ho. Ça promet tout ça. Bon, ça promet tout ça, les amis. Hein. Je pense qu'on va conclure, voilà. Prochainement dans l'épisode 3 de Walking Dead. This place is done. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listen to a damn word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phase is more. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Voilà ce qui nous attend donc, les amis, pour le troisième épisode de Walking Dead. Le troisième épisode, bien sûr, de la série, hein, non pas du Let's Play. Donc on va se quitter ici les amis, j'aurai donc hâte de vous retrouver pour un prochain épisode de Walking Dead. En tout cas, portez-vous bien. Merci à vous d'avoir regardé ce long épisode. Allez, portez-vous bien, dormez bien. Ciao tout le monde, bye.